Bonjour à tous, nous sommes dimanche 20 juin 2020, il est 6h35 et il fait 19 degrés 9. Un super ciel bleu, pas de nuages à l'horizon, vraiment très magnifique. Ils ont prévu chaud aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, 26-27 degrés avec un ressenti à 30 ou même 32 degrés. Peut-être même plus, de quoi travailler ce matin. Ce matin je me suis levé tôt pour arroser une partie qui n'est pas touchée par les gouttes à gouttes. Je me rappelle 5h30, j'étais déjà dehors. Là je continue d'arroser avec les gouttes à gouttes que j'ai commencé hier soir. Et aujourd'hui je pense que ce sera une journée tranquille, étant donné les températures. De fête des pères. Donc nous allons faire comme tous les matins, un petit tour du potager, voir ce que ça donne au niveau des plants et des plantes. Voilà. Voir si ça pousse ce matin. Les haricots. Les haricots. Il y a tout plein de feuilles encore. Hein. Hier on a ramassé 2 kg de haricots. C'était pas mal. Aujourd'hui, faire un tour en fin d'après-midi certainement. Voilà. Belle lignée d'haricots. Très belle lignée d'haricots. Le tournesol qui pousse, mais il est immense celui-là, il fait plus de 2 mètres. J'arrive même plus à voir la fleur, tellement elle est haute. Qui arrive. Voilà les courgettes. Ah, les fourmis s'amusent, oui. Elles s'amusent les cuisiniers, les fourmis dans les courgettes. Courge en fleurs aussi. La différence de couleur de fleurs de courgettes et de courge, c'est même pratiquement le même plan. Superbe fleur de courge. Maïs et mes maïs qui préparent la fleur aussi. Voilà, ils sont en train de préparer leur fleur qu'il va falloir que je retire quand elles dépasseront la tige. Voilà, ça veut dire que le maïs va se faire. Ah, ce matin, il faut que je pense à fertiliser les poivrons avec de la cendre de bois. Pareil, ça fait du bien. Poivrons et piments. Il faut que je le fasse. J'ai ça dans un seau, vous voyez. Que je collecte pour leur donner, pour leur mettre dans les tomates. Pas trop de tomates pour l'instant, mais bon, les fleurs elles y sont, donc je pense que ça devrait pas faire comme d'habitude, hein, ça va venir d'un coup, même si j'ai tout mis en décalé. Les premières tomates que j'ai plantées qui restent petites. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir des tomates pousser dessus, quoi, parce que, je pensais qu'il fallait que ce soit plus grand. Voilà. Ça arrose tranquillou. Ça reste encore une demi-heure, donc moi j'ai 50 minutes environ par planche. Ça arrose tranquille. Ce magnifique ciel bleu. Sans nuages. Il veut dire que aujourd'hui il va faire beau et chaud. Je vous dis, ils ont prévu quand même des températures assez élevées. Alors l'hôtel, tiens, j'ai toujours pas fait le tour de l'hôtel à insectes. Là, je me suis fait... il y a 2 jours, je me suis approché, je me suis fait attaquer par une espèce de bourdon. Là, pour l'instant, on voit pas trop d'insectes dedans. Donc peut-être. C'est un hôtel, hein, ils font la grasse mat. Hein. Voilà. Hein. C'est tout à l'insecte.